Monsieur Christie, un cadeau, un livre que j'ai écrit pour vous. Aujourd'hui, je vous le donne, sur les formes fruitières. Mais je suis très touché. Je n'attendais pas à recevoir des cadeaux. Encyclopédie des formes fruitières. Les modes de conduite, un métier, un art, une passion. J'aime beaucoup ça. Palissage à la diable. Oui, c'est la forme la plus ancienne qui existe. C'est merveilleux ça. Dans ce livre de Jacques, on voit... C'est une poésie. C'est une musique même, n'est-ce pas? Les formes, un berceau, la pergola, Lincoln Canopy, n'est-ce pas? Ça vous donnera des idées. Puis-je avoir une petite dédicacée? Oui, bien sûr. Comment on pouvait effectivement imaginer un verger utilitaire, un verger qui était planté et soigné pour donner à manger, comment un verger pouvait atteindre un niveau de l'art? Ça, c'est très important pour moi, de voir l'homme qui améliorait en quelque sorte la nature. En tout cas, c'est ce partenariat, comme disait l'une de mes stagiaires, le partenariat entre l'homme et l'arbre. Mais c'est merveilleux, ça. Un verger organisé, mais non seulement pour me donner des fruits, mais pour me donner beaucoup de plaisir. J'ai réservé les choses un tout petit peu, pas difficiles, mais qui sont extrêmement plaisantes à faire, pour moi tout seul. Cette année, que c'est moi, vous savez, ça pousse comme les chiens dents, un arbre fruitier. Ça pousse trop vite pour vous. Donc voilà, je suis un participant actif. Il n'y a pas une époque dans l'occidental, enfin disons l'histoire occidentale, enfin, qui n'a pas eu enfin, cet intérêt que nous voyons ici. L'intérêt à un arbre fruitier amélioré. Mais vous savez, je vous rappelle aussi fait que je travaille dans des formes anciennes. C'est la musique des 17e et 18e siècles. On peut cracher dessus, mais non. On crachait beaucoup plus il y a quelques années, mais c'est un patrimoine qui est vivant. On peut mettre un arbre comme ça dans la même catégorie d'une belle peinture ou un très joli sculpture ou un très belle partition de musique. Quelle est la différence, hein? C'est l'homme, n'est-ce pas, artiste. C'est l'homme artisan. Pour moi, c'est la même chose. Un savoir-faire à conserver. C'est exactement la même chose, et sans la moindre exagération. Merci. Merci Jacques. Merci, William. Très content.